Un meurtre qui reste un mystère et un suspect intouchable pour la justice française. 30 ans après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier en Irlande, le principal suspect va être jugé en France pour homicide volontaire. Cet homme, c'est Ian Bailey, un journaliste irlandais très rapidement suspecté après le meurtre, mais jamais inculpé par la justice irlandaise. Pourtant, la culpabilité de cet homme ne fait aucun doute pour la famille de la victime. Plus on regarde le dossier, plus on s'investit, moins il y a une place à un doute. Il n'y a pas un seul indice, un élément du dossier qui permette de disculper Bailey. Mais l'accusé n'assistera probablement pas à son procès en France. L'Irlande, en 2012, avait refusé l'extradition de cet homme. La France a de nouveau lancé un mandat d'arrêt international, mais pas sûr que l'Irlande soit plus coopérative. La législation irlandaise, à notre sens, n'est pas conforme au droit européen. Et c'est la raison pour laquelle la Cour suprême avait refusé l'extradition à l'époque. Il faut encore se battre au niveau droit européen et au niveau législation irlandaise pour être sûr de pouvoir obtenir un jour l'extradition. Une extradition rendue peut-être plus facile si Ian Bailey a été reconnu coupable par la Cour d'assises de Paris. Une condamnation pour comprendre enfin ce qu'il s'est passé ce 23 décembre 1996.